Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On n'est pas sur notre terre, nous sommes en Méditerranée et on va essayer de tracasser les petits poissons de Méditerranée avec une astuce toute simple. Il suffit d'une canne, d'un flotteur et du pain. Je vais vous montrer les astuces, les tactiques à avoir et on va découvrir un peu différents spots à avoir pour pêcher. On va se rejoindre dans un petit bar pour que je vous montre le bas de ligne utilisé. On se met au chaud, allez, c'est parti. On n'est pas bien là? Bon, du coup, je vais vous montrer le matos à utiliser pour pêcher les poissons en Méditerranée. Alors, faut savoir, dans cette pêche qu'on va faire aujourd'hui, ça va être la pêche à la vue. Donc, en gros, ce qu'on va faire, on va amorcer. Donc, le temps que tous les poissons arrivent, ça va être le bordel. Et ensuite, on met juste un plomb, on met juste un hameçon, pas de flotteur. On laisse descendre le plomb avec l'hameçon dans l'eau. Et en fait, dès qu'on voit le pain ou le surimi, hop, on ferme. Comme ça, ça permet déjà, d'une part, que l'hameçon soit bien pris dans le bord de la gueule et pas à l'intérieur, puisque c'est toute une galère à enlever quand c'est à l'intérieur de la gueule. Moi, je dis en Méditerranée parce qu'en fait, on a fait la Corse, on a fait la Croatie, et c'est toujours un peu les mêmes poissons. Il y a du sard, des oblades et des petits poissons de roche qui sont très faciles à pêcher. On va voir ça dans cette vidéo. Alors, tout d'abord, pour pêcher ces poissons, il faut avoir une canne à pêche. Nous, on utilise une canne à pêche, télescopique. Voilà. On utilise une canne à pêche télescopique car c'est tout confort. Pour la promenade, tu mets dans ton sac, c'est super vu que ça prend pas beaucoup de place. Et surtout, c'est pour l'avion. Tu mets dans la soute, parfait. C'est pas une grosse canne qui fait 2 mètres et qui prend tout l'avion. Hein. On va pas mentir. Ensuite, on utilise un petit moulinet, donc 2500. Il ne faut pas prendre un trop gros moulinet, hein, vu que c'est des petits poissons, c'est pour s'amuser. Mais il peut y avoir des gros poissons à passer par là. Et le fil, c'est du 18 centièmes. Voilà. Et l'objet obligatoire à amener dans sa pêche, c'est la pince. Sans pince, vous déchirez en fait la gueule du poisson parce que la main t'arrache toute la gueule. Et grâce à la pince, tu fais un petit coup sec et c'est le tour est joué. Sur cette canne, on va utiliser bien sûr des hameçons et des plombs. Alors, il ne faut pas prendre n'importe lesquels hameçons parce qu'il y a les trop petits hameçons, ça rentre dans la gorge des poissons et ça les défonce, on va dire le terme. Et les trop gros, on n'arrive pas à les capturer. Alors, j'ai choisi de prendre comme taille d'hameçon. Je crois que c'est du 18, donc c'est des petits hameçons comme ça. De quoi mettre un peu de mie de pain ou du surimi. Ça aime très bien aussi le surimi. On va voir ça tout à l'heure. Et du plomb. Plomb, moi j'utilise juste un seul plomb. Et bien sûr, quand on a la canne, quand on a le bas de ligne, il faut bien sûr prendre la nourriture. Et ça va être du pain. Alors, de la mie de pain blanche, par préférence. J'essaie avec la mie de pain marron. Ça donne pas grand chose. Maintenant, je vous propose qu'on passe au montage pour que vous voyez un peu toutes les tactiques à utiliser. C'est parti. Donc déjà, on déroule le fil. Une fois que vous avez mis le fil dans les anneaux, on va tout d'abord mettre l'hameçon que je vous ai montré tout à l'heure. Alors moi, les hameçons, je les achète à Decathlon. C'est des pochettes de 10 ou 20, hein, pour pas cher du tout. Et ce qui est pas mal, il y a déjà une boucle de fête. Comme ça, tu as juste à ramener dans la boucle. Et le tour est joué. Une fois que vous avez fait le nœud, vous coupez l'excédent. Avec une pince. Une fois que vous avez coupé l'excédent et que vous avez fait le nœud pour accrocher l'hameçon, il faut bien obligatoirement écraser l'ardillon. Vous savez, l'ardillon, c'est le petit pic qu'il y a dans l'hameçon qui sert en fait à l'hameçon de rester dans la gueule du poisson. Mais ici, c'est une pêche no kill, donc on va relâcher le poisson sans faire du mal. Donc en fait, on écrase l'ardillon grâce à la pince. Il suffit d'appuyer dessus. Moi, j'ai déjà fait et vous pouvez... Donc vous prenez le plomb. Alors le plomb, vous le mettez à, on va dire, 20 cm de l'hameçon. Et là, en fait, on écrase avec la pince le plomb. Comme ceci, parfait. Et le tour est joué, on peut pêcher. Bon, je finis de boire mon café et on y va à la pêche. C'est parti, à tout à l'heure.
Donc faut savoir, notre endroit de pêche, j'ai choisi le port. Parce que dans le port, bah, je sais pas pourquoi, il y a plein de poissons. Il y a des mulets, ici en Méditerranée, il y a des sardes, dorades et beaucoup de poissons d'orange. Alors, j'ai déjà fait les repérages hier, j'ai eu pas mal de poissons dans un spot très précis. Nous sommes arrivés à l'endroit de pêche, donc comme vous pouvez voir derrière moi, il y a des yachts, il y a des voiliers de luxe. Donc moi je dis, plus c'est riche, plus il y a du poisson. Donc faut se mettre à côté des gros yachts. C'est ça en fait l'astuce. Donc moi je déballe le matos et on se retrouve ici dans quelques instants. Donc là, la première chose à faire quand on arrive dans un spot de pêche, il faut amorcer. Donc ici, on amorce en pain à fond. Donc je viens de commencer à avoir une multitude de poissons qui prennent l'appât, donc c'est très très bon signe. Ce qu'on va faire du coup, on va mettre le pain sur l'hameçon et on va essayer de tracasser un peu les poissons. Allez, c'est parti, premier lancé. Putain, oh là là, j'ai loupé un poisson. Il y avait des beaux poissons. Il y a des beaux poissons les amis, ça risque de ne pas me décevoir. Hop, on relance, pas de temps à perdre. Oui. Un petit poisson, le premier poisson de la journée. Donc ça c'est une oblade les amis. Petite oblade. Donc l'hameçon est pris juste au coin de la bouche. Donc hop, parfait, sans ardillon, prêt à relâcher. Premier poisson, on relâche. Ouais. Allez, remettre du pain. C'est parti, deuxième lancé. Donc là, on va espérer gain plus gros. Mais ça fait un bon petit combat hein, déjà. Ouais. Deuxième poisson. Voilà, je pense que c'est la même taille. Hein. On va pas espérer plus gros. Aïe aïe aïe. Ferré toujours au coin de la bouche. Ça part comme dans du chocolat. Voilà, parfait. Je vais lancer comme si c'était un caillou. Allez, troisième lancé. Bon là on vise les gros. Là, donc dès qu'on voit plus, voilà, poisson. Punaise, c'est un joli encore. Enfin tous les gros en fait on les loupe. Les petits on les aime et les gros on les loupe. Pourtant la pêche à la mouche nous a appris à bien ferrer au bon moment. Bizarre ça. Parti. Mal ferré. Ouais, il est joli. Il est joli. Ah, c'est pas une dorade ça. C'est un poisson de roche. Regardez comment il est joli. Un poisson de roche. Donc celui-là, c'est un poisson qui fait partie du sol. Il est très très joli. Écrasé. Donc ça c'est un poisson qui s'agrippe sur toutes les roches. On le retrouve particulièrement au fond et hop, vous voyez. Et voilà, regardez ce beau poisson. Voilà, bon maintenant on va le relâcher. Parti. Et voilà.
parfait. Allez, on continue. Ça y est, la vidéo va s'achever là. On a passé une très très bonne journée, on a fait différents spots, on a vu des différents paysages absolument magnifiques. Et j'espère que ça a permis à vous aussi de vous faire une petite idée de la pêche aux petits poissons en Méditerranée. C'est une pêche très facile. Il suffit de regarder, de poser la part et de tirer. Et si vous avez des enfants, si vous êtes entre potes, c'est vraiment une partie de plaisir. On s'amuse, on s'éclate et c'est que du bonheur. Je vous remercie énormément aussi pour la première vidéo qu'on a postée. C'était sur l'ouverture de la pêche. Elle a fait plus de 20 000 vues. C'est un truc de malade. Vous avez énormément commenté, liké, partagé. Je vous remercie énormément. N'oubliez pas dans cette vidéo aussi de vous abonner, de liker et de commenter. Ça fait énormément plaisir. Moi, je vous dis dans une prochaine vidéo. Allez, salut !